Et boum, les pièces à toi, et pièces à toi, c'est les gars et les filles. On se retrouve sur la place de l'église. Si vous voyez, moi je vois rien avec le soleil. Donc là, il y a le défilé du 14 juillet. J'ai vu les camions, ils étaient en train d'être, ils sont en train de sortir. Je les vois d'ici. Voilà, regardez. Donc voilà, ils sont là-haut. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ils sont juste là-haut derrière les arbres. Voilà, on va les attendre comme tous les ans ici. Ici même, vers le trottoir. Donc là, j'étais venu en vélo. Je laisse là-bas. Je sais pas si vous allez mieux le voir, le château, l'église, le camion là. D'ici, j'entends le son du moteur. Vous pouvez pas le voir, mais ils sont juste ici là, ce secteur là. Donc on va les attendre. Je retrouve juste après qu'ils sont ici. Je sais pas si vous les voyez, mais ils sont en train de démarrer. Ils sont là dans pas très longtemps. Ils ont mis les gyros. Sauf si ils sont en train de cramer un endroit, mais je pense pas. Tenez, ils ont envoyé tous les véhicules. Élevé SAV à la fin. Allez, là, les gendarmes. Ils doivent arriver dans pas très longtemps, donc on va se poser ici. Regardez-moi cette belle église. Ah. Je vais faire un top 10 des plus. Un top 30 des plus. Top 35 des plus belles églises des Combrailles. Attendre ici. Et aussi les gars, je vous ai pas dit, hier c'était mon année, j'ai né le 13 juillet, tout ça. Il y avait le bal des pompiers, le feu d'artifice. Donc j'étais allé boire 2-3 verres, tout ça, du Oasis, du Coca. Après mon cousin il m'a dit de venir vite pompier là à la fin d'année d'aller y voir. Ouais. Ah bah ça va être compliqué si je vais à Clermont. Ah bah non, si je deviens pompier de fiançailles, je peux faire par Clermont. Ouais, mais Clermont, c'est une trop grande ville. J'aime pas les grandes villes. Pompier dans les grandes villes, c'est toujours plus sportif, là, que de fiançailles, il y a un incendie tous les 5 mois. Tous les 2 mois. Le dernier, ça date déjà d'un mois. Donc voilà. Ils arrivent, vous devez les entendre, ils arrivent les beaux camions. Sauf s'ils font les enfers, ils passent par là. Mais je sais pas s'il va passer par là. Il fait un petit peu autour dans le village pour réveiller. Ah, ils vont réveiller le village là.
C'est en inter qu'il faut mettre le gyro. Bon. Oui, ça... Ouais, ils ont pas un droit. Oui, ils sont partis à Monaco là ou quoi? Ah, je sais pas, vous les entendez là en ce moment. De toute façon, il passe pas par le château, le camion est trop gros pour y passer. Soit ils prennent de l'essence. Les camions vidéo. Ah oui, oui. Mais malheureux. Allez. Camion. Voilà, regardez-moi ces beaux camions. Là-bas, il y a encore des camions, c'est pas grave. On n'a pas la grande échelle, mais c'est pas grave. Vous savez, donc voilà un beau camion rouge. Bon, c'est pas le défilé de Paris, mais quand même on a dit.
Là, tout droit. Ah oui, j'ai vu l'hélico hier. Vas-y. Attends, attends. Voilà, un beau camion. Deux beaux camions. En partant de la caserne, on a appuyé, paf, ça fait. Encore? Ah bah ouais, il y a plus de. Il a appuyé, ça a touché un peu. Ouais, ouais. Bah, c'est fini. Attention, on peut se mettre fier. Et là-bas, là, à côté de l'officier. Voilà. Un beau camion. Donc, comme je vous ai dit hier, c'était mon anniv. Il y a eu le feu d'artifice, le bal, tout ça. Voilà. Voilà, les beaux camions. Ça fait Dalton. Ciao. Et voilà. Voilà. Les beaux camions. Donc là, il y a les Champs-Élysées, ici même. Et il y a pas l'Arc de Triomphe. Il y a Notre-Dame de Paris, et là-bas, il y a l'Élysée. Allez, l'Élysée. Allez, beaux camions. Voilà.